Je suis le maréchal de la brigade anti-sorcier, le professeur Joël Crasso. Je viens à peine d'arriver à Divo, après 2 semaines de boulot à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, précisément au Maroc. Nous venons d'entrer, je viens d'entrer à Divo. À Divo, qui est un lieu où un autre centre qui est un lieu de pèlerinage où les gens viennent de partout. C'est un centre international, voilà, de délivrance, de restauration et tout ça. Nos activités ont repris depuis mercredi. Nous aurons une grande veillée ce soir à Zaroko. Nous reprenons encore toutes les activités au niveau de Zaroko, tout ça. Par la grâce de Dieu, nous aurons l'occasion de recevoir des gens et tout ça. Et en même temps, j'en profite pour annoncer aussi le retour encore de notre troisième programme de retraite à Rabat. À Rabat qui aura lieu le 26 au 30 août. Donc je demande aux gens de s'apprêter et de permettre, j'ai mis vraiment une organisation en place pour que cette fois-ci, il y aura quand même quelque chose de potable parce qu'on aura l'occasion de recevoir les gens, de les aider. On sera vraiment hors caméra, aider véritablement les gens. Voilà, donc c'est la reprise des activités. Nous sommes pratiquement à Divo. Voilà, Divo, par la grâce de Dieu, il y aura une très grande veillée ce soir. Voilà, donc voici la vie de Divo. Ta fille est guérie, non? Elle est guérie maintenant. Elle est guérie. Elle mange maintenant bien. Elle mange bien. Elle est sous la douche. On va aller à Garoko là-dedans. Jésus t'a vaincu à la croix. Il libère sa conscience et il libère son subconscient. Quitte son cœur. Sa conscience.
son subconscient. Et la puissance de dans le sang. Proclame. Proclame sa puissance. Libérez la salle, faites asseoir les enfants là. Libérez la salle. Libérez la salle, nettoyez la salle et puis mettez les chaises, la télé en marche. Et je libère son subconscient dans le nom de Jésus. Touche! Feu! Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Jésus. Puissance de Jésus. Sa puissance de Dieu. Sa puissance de Dieu. Sa puissance de Dieu. Sa puissance. Sa puissance te libère. Sa puissance te délivre. La puissance de Dieu te libère au nom de Jésus. La puissance de Dieu. Sa puissance te libère au nom de Jésus. La puissance de Jésus te libère. Sa puissance te délivre. Proclame ta délivrance. Proclame ta délivrance. Sa vie sa vie est maintenant. C'est un ordre. C'est un ordre. C'est un ordre. Tu quittes sa vie. Tu quittes sa vie. Tu quittes sa vie. Relâche-la. Relâche-la. Libère sa conscience. Son subconscient au nom de Jésus. Sa conscience. Son subconscient. Pourquoi
proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance par la puissance qui est dans le nom de Jésus. La puissance de Jésus te délivre. La puissance de Jésus te délivre. La puissance te délivre. La puissance te délivre. La puissance de Jésus te délivre. La puissance te délivre. La puissance de Dieu. 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 Sa puissance de lui. Ouais, la fille, elle a guéri. Quand j'ai la voici la folle là, qui est attachée. Hey! Ouais, il y a les chaînes ici, non? C'est comme ça. Tu sais qu'il te fait fort? Elle dit, c'est ce que les gens disent. Attends. Tu ne souhaites pas quelqu'un, non? Elle est enchaînée. Comment tu t'appelles? Pourquoi tu as grossi? Oh, Jésus est merveilleux. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Qu'est-ce que tu as fait comme des gars ici? Viens, sa mère, viens. Non, c'est comme ça. Ici, nous sommes habitués au miracle. Elle dit, hein, ça c'est petit. Il y a des gens qui mangent leurs excréments, sont guéris. C'est ça la présence de Dieu. Amen. Moi, j'ai dit, dans une église, il n'y a pas de miracle, quitter l'église. Amen. Quitter l'église. Amen. Jésus n'a pas fait qu'enseigner et guérir les malades. Amen. Ah non, on a l'heure d'enseigner les gens et les gens sont malades. Amen. Amen. Oui. Jésus guérissait les gens. Amen. Quand on a Jésus dans une église, Jésus libère les gens. Amen. Les gens des fardeaux sont malades. Ils ont tous les problèmes. Amen. Au lieu de les délivrer, prenez leur argent. Amen. 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 Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Qui nous atteste qu'il n'a pas encore changé, il est encore le même. Oui. Amen. Je suis venu ici dans la dernière action, j'ai prié pour ce de YouTube, parce qu'on avait déjà posté la vidéo sur le YouTube. J'ai regardé la vidéo, j'étais convaincu du témoignage. J'étais convaincu que si je revenais, elle allait me rendre le témoignage de sa guérison. J'étais très convaincu, parce que j'ai déjà vu pas mal de fous guéris. Et ça, nous maîtrisons ça ici. Voilà. Amen. C'est pour dire les colons des esprits. Il y a un esprit qui peut résister à l'action du Saint-Esprit. Amen. Si un démon te résiste, il faut aller gêner, prier pour chercher l'onction. Oui, si un démon te résiste, c'est qu'il ne reconnaît pas ton appel. Amen. Non. Si un démon te résiste, il ne reconnaît pas ton appel. Amen. Or, Jésus nous a donné le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de Satan. Nous avons le pouvoir sur les œuvres des ténèbres. Amen. J'ai dit aux gens, c'est parce que les gens ne sont pas appelés qu'ils vont voir les marabouts, les fétichés, faire la magie, prendre la magie pour faire l'œuvre de Dieu. Mais ça ne revient pas loin. Amen. Quand il mélange la magie et l'œuvre de Dieu, ça ne va jamais loin. Amen. 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 Parce que ça ne va pas ensemble. Amen. Or, ceux qui ont pris la magie, ils ne vont jamais délivrer un fou. Ils ne vont jamais parler de sorcellerie. Parce qu'ils savent que c'est le même chose. Ils vont parler de guérison. Ils vont te donner les révélations les plus cachées. Mais ils ne peuvent pas te délivrer. Amen. C'est comme ça qu'on reconnaît du vrai et du faux. Parce qu'ils vont te donner les révélations. Ils sont à la recherche de quelque chose. Parler, mais ils ne délivreront jamais. Or, un démon. Pour le chasser, c'est qu'il reconnaît
ton ministère. C'est ce qu'il a dit de posséder. Il dit, je connais Paul, je connais Jésus et vous qui vous êtes. Les gens sont les chassins des mondes de quelqu'un qui était fou. Il dit, qui vous êtes? Moi, je connais Paul, je connais Jésus. Il les a tous frappés de posséder. Or, un démon n'obéit pas à n'importe qui. Il obéit à un, c'est-à-dire un appelé. Elle était totalement guérie. Qu'est-ce qu'elle avait, ta fille? Papa, vraiment, elle était vraiment fortement. C'était vraiment grave. Et vraiment, je ne sais pas quoi, mais. Pour me remercier. Comment elle est arrivée ici? Elle était pratiquement folle même. Vous l'avez envoyée. Parce que quand je suis venue, j'ai dit à son papa de la mettre dans le cas, mais vraiment. Qui l'a vu? À la gare, là-bas, même. Tout le monde, qui l'a vu ici? Beaucoup l'ont vu ici. Beaucoup. Et quelqu'un faisait, elle dormait pas. Elle vous a frappé. T'as failli casser l'œuf de la petite. Là. Là aussi, là. Maintenant, ça va? Vous l'avez envoyé de Saint-Pedro ici, c'est ça? Dans un état de folie très avancé. Vous voyez, une folie très avancée parce qu'on voyait son état. Elle ne reconnaissait plus, elle était méconnaissable. Nous autres, on croyait à sa guérison. Oui, c'est ça. On croyait à sa guérison. Amen. Parce que nous croyons à la présence de Dieu ici. Dieu est ici. Amen. Péniel, Dieu est ici. Et là où il y a le Seigneur, il y a toujours miracle. C'est ça qui est dit aux gens, les pasteurs, les soi-disant pasteurs, les pauvres qui vont chercher la magie pour faire l'œuvre de Dieu. Ça n'ira pas loin. Parce que les démons ne vont plus. Arrivé à un moment donné, vous n'allez pas chasser les démons. Peut-être vous allez parler de révélation, mais chasser les démons. Les démons vont frapper un jour. Or, ici, il y a la présence de Dieu. Vous allez vraiment beau parler, ils ne vont jamais attaquer la sorcellerie. Ils seront ennemis des sorcières. Ils ne vont pas attaquer la sorcellerie. Or, nous les délivrons, nous vivons avec eux. Nous les délivrons, nous marchons avec eux. Parce qu'il y a l'onction de Dieu sur notre vie. Il faut aider les gens. C'est quoi hier? J'étais dans la rue d'Abidjan, puis j'ai vu une folle qui était dans la rue. J'étais choqué, une jeune fille choquée. Avant-hier, oui, j'étais avec lui dans la voiture. Je suis resté comme ça, revu ma tête. Le diable travaille. Au lieu que nous, les pasteurs, travaillons, chacun attaque, insulte un pasteur, insulte un pasteur. Travaillons autant dans les rues. Là, avant-hier, je disais, j'étais à Bobo-Dumé, en train d'évangéliser les enfants. Je suis allé évangéliser. Non, comme si le prophète, je n'ai pas fait les grands prophètes. Qui est grand? C'est Jésus qui est grand. Amen. J'ai besoin de bonnes choses. Qui est grand? Non, c'est moi, je prends avion, je voyage. Je suis le grand prophète. Qui est grand prophète? Qui est le grand prophète? Qui est le grand prophète que je suis? Je suis petit et des petits. Je vais rentrer dans les coins les plus reculés, annoncer l'évangile. Et ça, c'est important. J'étais content hier de voir des enfants drogués, des voyous qui m'écoutaient à propos de meilleur, qui m'écoutaient, qui tentaient de m'écouter et qui ont pris la résolution d'abandonner la roue, d'abandonner la terre. J'ai trop de boulot en Afrique ici, il y a trop de boulot. Il y a du travail. Donc je ne peux pas aller m'asseoir en Europe. J'aurais dit, ici il y a trop à faire. Il y a des villages, il y en a plein de villages qui ne sont pas évangélisés. Amen. Il y a des fois qu'en Europe. Si c'est l'œuvre de Dieu, il y en a ici. Vous savez, hier, je suis parti. Des enfants qui sont venus, ils m'ont fait une surprise, c'est des fan clubs, ils aiment bien mes morceaux, tout ça. Je suis allé dans leur quartier pour dire, au-delà de cette histoire, on aime le prophète Crasso. Le prophète Crasso a un grand don à vous donner, c'est Jésus. Amen. Vous devez l'accepter. Ils m'ont mis pleinement des gens, des petits drogués et tout ça. On a décidé de les encadrer. Il y a trop à faire. Il y a trop de boulot. J'aimerais que chacun d'entre nous évangélise autour. Évangéliser, apporter la parole de Dieu. Amen. Cette parole apportera la paix dans la vie des gens. Amen. Permettra à Dieu de les délivrer. Parce que Dieu toujours cautionne sa parole. Amen. Si vous partagez la parole de Dieu, vous allez voir que Dieu va guérir les gens, va les restaurer. Amen. Ça va? Hein? Ça va maintenant chez elle? Elle dort. C'est fini, c'est le grand signe. Si vous voyez les personnes en train de dormir, c'est le grand signe. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? C'est pas nommé. Comment c'est quoi? Ça va chez toi? Elle se prépare. Je prépare. Non, je ne sais pas. Ça va quoi?
Ok, amen, c'est pour dire que Jésus est Seigneur, amen. Voilà, donc on va... Soyez bénis. Amen. Que très chaleureux. Amen. Ça va quand même donc après quelques jours, c'est-à-dire au moins deux semaines, l'absence, le centre aussi nous manquait. Ça nous manquait tellement. J'ai vu que le pasteur Philippe m'a dévancé rapidement, il m'a merdé parce qu'il voulait vite venir. Moi j'étais justement à Abidjan en train de faire des émissions qu'on avait déjà calées, des émissions télé. Dieu merci, nous sommes allés par la grâce de Dieu, sains et saufs. Amen. On m'a amené à comprendre qu'il faut beaucoup de sérieux dans ce que nous faisons comme boulot. Parce que les gens nous suivent, c'est sérieux. Tout le monde nous suit, le monde entier nous suit. Nous avons reçu, j'embrasse les gens de surtout Centrafrique. Les Centrafricains, c'est-à-dire l'Afrique centrale en général. Amen. Les Camerounais, les Congolais ont pris notre affaire au sérieux. Amen. On a vu aussi nos frères ivoiriens qui étaient aussi là. On a eu des gens qui sont venus de partout.
pour lesquels nous avons prié, par la grâce de Dieu, le Seigneur s'est manifesté. Il y a une soeur carrément qui m'a fait couler les larmes après. Elle m'a dit, s'il te plaît, on compte sur toi. Depuis que tu fais le ministère, c'est à cause de toi nous avons repris la foi. Tu es un joyau, bijou pour l'Afrique et tout ça. Et tout le monde ne faisait que répéter la même chose. Et j'ai vu que c'est vraiment, il y a beaucoup de sérieux qu'on doit mettre. Ça m'a même de comprendre beaucoup de choses. Il y a mon nouveau mais de mettre plus de sérieux dans le travail. Beaucoup de séries autour de moi, et ça vraiment, pour dire que le monde entier nous suit, il y a des gens qui nous suivent, et que depuis un certain temps, d'autres ont repris la voix de l'Église, d'autres ont repris foi en Dieu, au travers de ce que Dieu fait, bien sûr, dans notre ministère. Il y aurait toujours dit, Crasso n'est pas un Dieu, il ne peut pas jamais être Dieu, il est quelqu'un qui se laisse utiliser par Dieu, justement. Donc nous bénissons le Seigneur, nous avons rencontré pas mal de personnes. Le Seigneur s'est vraiment manifesté, mais puissamment manifesté, nous a utilisé à délivrer pas mal de personnes. Et c'était vraiment merveilleux. C'était vraiment merveilleux de comprendre qu'il faut aider certaines personnes. Il faut aller même plus loin, aider les personnes. On s'est même débrouillé, on a mis tous les grands moyens à notre niveau pour se retrouver au Maroc, aider des gens séchés, les billets d'avion, tout. Les dépenses sont plus de 2 600 000 francs. Qu'on essaie de mettre de nos propres poches dans ce voyage, le séjour et tout ça pour aider des gens. Voilà, pour aider des gens. Et c'est important. J'aurais dit, pour nous, il faudrait que l'Afrique reprenne vie. L'Afrique doit reprendre. J'aurais même dit que c'est à partir de l'Afrique du Nord, qu'est venue la grande civilisation. Dans le temps, c'était l'Égypte. C'est à partir de l'Égypte que tout est traversé. Et quand vous négligez le Nord, le diable s'installe. Vous allez comprendre que toutes les grandes guerres commencent par le Nord. Voilà, toutes les grandes guerres commencent par le Nord. Vous allez voir une rébellion, toujours c'est par le Nord. Donc le Nord ne doit pas être négligé. J'aurais dit, je ne suis pas venu pour prier pour vous comme ça. Je suis venu prier pour vous pour que votre argent que le diable vous a volé, qu'il vous les restitue. Et que vous reveniez en Afrique. Vous devez revenir, investir en Afrique. Vous devez venir très fort. Parce que même les Blancs, leur rêve, c'est de venir verser en Afrique. Parce qu'il n'y a plus rien en Europe. Il n'y a plus rien en Europe. Il n'y a plus rien. L'Afrique fait 70% des ressources du monde. C'est l'Afrique qui ravitaille le monde entier. Mais à cause de la présence de la sorcellerie aujourd'hui, on a l'impression que l'Afrique est en retard. L'Afrique est dans les ténèbres, manque de développement parce que les sorciers sont anti-développement. Il n'y a pas de rue. Vous voyez, je suis rentré à Dibou, j'étais édifié. Depuis qu'on a commencé à prier, on allait à Grémien là. Ils ont commencé à faire la rue de Divino. Amen. Oui, amen. Amen. C'est comme ça que je vous ai dit, je vais voir Bitume. Parce que là où on combat la sorcellerie, quand je suis arrivé à Grémien, je suis allé leur arracher la clé. Amen. Parce que ce sont eux qui ont le plus, sont les protecteurs qui ont. C'est fini, le boudron va venir à Divo. Amen. Vous étiez tous là, je vous ai dit, j'ai dit le boudron va venir à Divo. J'étais vraiment épaté de voir les machines partout dans la ville. Amen. En train de faire le bitume. Oui, parce qu'on dit la route précède le développement. Amen. Une église doit manifester la puissance de Dieu. J'aurais dit, l'église ne doit pas être entre les quatre murs. Qu'est-ce que pour que Dieu vous salve à cause des miracles? S'il n'y a pas de miracle qui vous suit, Dieu n'est pas avec vous. Amen. Sur ça, il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom, voici ce qu'ils feront, voici ce qu'ils feront. Or, quand une église, quand quelqu'un a l'onction dans une zone, le développement entre. J'aurais dit, c'est pas parce que Crasso est fort que tous les pasteurs, mais Crasso a compris une chose, que le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Et nous savons les maîtriser. Il n'y a pas de sorcier qui va nous tenir tête. Si tu essayais, on t'avait en Mauritanie. Ceux qui méritent les visas, notre ambassade délivre les visas, c'est ouvert 24 heures sur 24. Si tu ne veux pas laisser les gens, que tu ne veux plus prendre l'être humain, créer à l'image de Dieu au sérieux, que les poulets, que Mousséni va au marché, les bergers les vont au marché, et que tu veux manger l'être humain, nous on te délivre ton visa et tu vas à Mauritanie. Nous ne parlons pas. Voilà, nous sommes des hommes d'action,
Nous avons dit que depuis notre ministère ici dans la ville de Divo va porter le développement. Et ça a commencé. J'ai vu les machines partout dans la ville de Divo. J'ai dit gloire à Dieu. Amen. La même chose a commencé à Iré. Ils sont en train de faire du Doko. C'est bientôt fini. Ils sont là à Zaroko. Ma part. Oh yeah. Il faut détruire les forces des ténèbres. Amen. Or, l'Église a reçu ce pouvoir. Les gens dorment. C'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont comme pouvoir. Or, la Bible dit que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Amen. Et ceux qui conduisent le monde, c'est la sorcellerie. Le monde est ténèbres. Or, nous avons reçu le pouvoir pour détruire les œuvres des ténèbres. Amen. Le pouvoir de Christ, ça ne se discute pas. La souveraineté de Jésus, ça ne se discute pas. J'ai toujours dit ça à des émissions télé. J'ai dit que ce n'est pas l'objet d'un débat. On ne peut pas venir débattre si Jésus est fort ou pas. Non, c'est pas, il est fort. Amen. Non, ça ne se discute pas. Amen. Or, celui qui veut discuter ça, nous allons le démontrer. Parce que la puissance de Dieu, ça se démontre. Amen. Oui. C'est ce que l'apôtre Paul dit, ma parole ne reposait pas dans les discours, mais dans une démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Elle se démontre. Si tu ne crois pas, je te démontrer à plus B que Jésus Amen. Est fort. Amen. Amen. Nous décidons du monde, du sort du monde, c'est nous. Amen. Il dit, vous avez la clé du royaume. Amen. Jésus dit, vous avez la clé du royaume. Amen. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels. Amen. Et tout ce que vous déliez sera délié. Amen. C'est parce que les gens n'ont pas compris la vision de Dieu. On est entre quatre murs, on mange entre nous les frères. Le monde a besoin de nous. Nous avons besoin d'évangéliser. Or, l'Église doit s'imposer. Je leur ai dit, le Divo sera développé. Là où sommes, le développement entre. Quand nous étions dans la région de Fresco, le développement rentré, ils ont fait le bitume. C'est ça la force de l'Église. Amen. Soyez bénis. Amen. Ce soir, nous aurons une grande veillée. Amen. Alléluia. Oh, le Jésus-Christ va vous guérir selon votre foi. Amen. Chassez les démons. Amen.